Ou branche télévision nationale d'Haïti ou à suivre avant-dernière sortie fenêtre qu'il tirel nous pour ce même ça. Merci pour fidélité avec intérêt. Mais quelques petites n'ab gen pour nous porter pour. Chanteur groupe New Look la Orly La Rivière dénonce mauvais jet cap si maillé nouveau album classe la gratis sur réseaux sociaux. Dans un message vidéo li posté sur compte Instagram li, artiste la découragé mode pratique sa yo qui d'après li a éteint souffle industrie musicale haïtienne là. Publication 11e album chanteur reggae international là Tikenja Fakoli prévoit pour 17 mai 2019 là. Nouveau album ça qui titré Le monde est chaud a gain 11 morceaux musique sous lit. À travers album ça chanteur entend renforcer plaidoyer qu'a fait dans monde là sous question réchauffement climatique là. Finale 4e édition concours Miss Bicolor Fondation Timoun Haïti pour demain est organisée, programmée dans la date 18 mai qui approche là. Dans la cérémonie finale, ça, environ une dizaine de finalistes ont gagné pour performer devant un membre jury qui doit déterminer 3 lauréats. C'est quelques titres avec plaisir de temps qu'on a gagné pour nous développer pour, mais après pause là, on invite à rester branché. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons programme diplôme tout. Laboratoire médical. Pharmacologie. Assistance administrative. Comptabilité informatisée. Technique bancaire. Informatique bureautique. Construction bâtiment. Technique douanière. Et puis, il y a un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une des deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA, partons vers l'excellence. J'ai fait musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait l'axe souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, j'ai représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que j'ai respecté le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons pas. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça pour nous gagner en dedans pour nous.
Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité avec intérêt. Chanteur Oli La Rivière dans une vidéo li posté sur compte Instagram li dans commencement semaine long dénoncé publication illégale nouvel album classe là qu'a fait sur réseau social yo. D'après artiste là, mode pratique ça détruit artiste à groupe yo et puis faibli industrie musicale haïtienne. Toujours dans même vidéo là, chanteur a critiqué mauvaise utilisation technologie et puis li encourager tout le monde acheter version numérique clan sur tout site qui est disponible. N'a invite au suivre. On a félicité l'équipe classe là qui fait que me décider dehors monsieur, compliment, bon travail. Mais matin m'a dit nous, me réveiller, me recevoir au moins 25 WhatsApp moun k'ap voye CD classe là, tout album là par WhatsApp moi. Mes amis, ça va bon. Ça pas bon, li pas bon. Parce que yon artiste pas ka passer un an et demi, deux ans dans studio à travail pour que yon matin album nan sorti puis gon moun ki décide à partager le comme ça sur WhatsApp. Mes amis, l'on fait ça ou fini artiste yo. Ou pas quitte rien pour nous. Ou pas cap utiliser facilité technologie en bail là et pour détruire yon moun ko dou reme ou bien un groupe ko dou reme. Nous comprenons que nous te ka pas ka retan encore pour nan décider hein, mais support là, li important pour nous. Mes amis, même sou yo fin voyer CD ça pour. D'ailleurs qualité pas même. M'a pas encourager nous pour nan download CD classe ça. Li sou CD baby et ou bien acheter CD à physique. Parce que il est disponible. Atelier d'art Calbas qui gagne en tête li Louis Carlo Pierre réalisé séance formation pour tout monde l'école dans commune Kafou sous transformation Calbas. Formation ça fait dans l'idée pour montrer importance Calbas gagné comme matériau pour fabrication zèv artisanal. Yon vingtaine élèves qui sorti dans quatre l'école qui dans commune Kafou t'ai participé dans séance formation ça. Vladimir Dortoir, Henri Robert Chéri pour un reportage. À la rencontre du futur, c'est sous thème ça, plusieurs élèves qui sortent dans différents établissements dans la commune Kafou participer dans séance formation ça. Yon vingtaine élèves bien concentrés en dans atelier ya, a essayé mettre premier couche peinti sous zèv artisanal yo après au fin sibi préparation. Directeur atelier Art Calbas la, Louis Carlo Pierre a expliqué processus transformation Calbas la. Processus c'est créer Calbas d'abord. Nous tout inclus et transport. Et puis, gon travail qui fait en dans atelier, c'est mettre calbas là au niveau noyau. Quand on prend calbas là ou mettre le sous bureau, il déjà ça pour aller. Et puis, gon bain de soleil pour Bali. Bain de soleil ça pour le permettre pendant pour le travail, l'abdou oui, il mature. Ou capable faire qu'un soupière, ou capable faire un chandelier, ou capable faire un corbeille. Ou capable faire collier ou capable faire tout de coup mais calbasa dans son ensemble li mande un traitement et à partir de traitement ça li dou qui type de travail ou capable faire nettoyage calbasa là c'est une étape mettez peinti sous li c'est une autre. Jeannot Luiner qui est responsable décoration dans atelier calbasa sous Bopal a expliqué technique pour colorer calbasio ou capable n'importe couleur pour base ça veut dire moi même le plus souvent on commence à noir comme ca commence à blanc tout n'importe couleur tout dépend de à ça vous voulez venir à couleur voulez venir vous voulez faire fin vous comprenez là où besoin arriver à un dans une pièce antique lorsque ça vous obligé faire noir ouais ou by base noir là tout pas gain noir vous voulez faire fin comme ça. Mais ça lui-même, ouais, tout pas même genre. Ouais. Bye base noir. Les papes sortis, d'un coup, ça prend base noir ça. Diverses familles élèves l'école qui a participé dans la formation SILA exprimé contentement. Yo. Pendant qu'on dit, aussi dit, ouais, tout ça, Calbas a fait. Contrairement à ça, en pile monde t'a capable de penser, Calbas pas seulement utilisé dans faire service mystique, mais ici, en plante médicinale. En pile d'artisans servi à calbas tout dans création diverses œuvres artisanales. Côté cinéma, premier paraître film sans rancune nan réalisateur Jean Herbie Lafaye a fait dimanche 19 mai cap vini là dans Ciné Triomphe. Projection film ça cap fait dans 4 reprises midi, 2h, 4h et puis 6h. Scénario film ça raconte réalité femme haïtienne yo. Sans rancune c'est un film qui mettait en vedette Jenny Célestin, Jorel Chéri et Holdin Lafaye. N'a invité au suivre. Le film ça raconte l'histoire d'un jeune, alors
une jeune fille qui c'est Roseline qui prend plaisir prend corps dans main ménage lui qui c'est Dorval pour bailler l'autre ménage qui c'est Jimmy sans rancune parce que au final malgré tout ça qui passé Dorval qui c'est ancien ménageant il pas gain problème pour continuer aider Rosine sauf que puisque elle est en gain un monde déjà dans ville il pas quand ensemble avec dans le premier là c'est ciné triomphe dimanche 19 mai c'est 4 séances de midi 2h 4h 6h Fondation Timoun Haïti demain TAD annoncé déroulement première édition finale concours Miss Bicolore pour samedi 18 mai cap proche là dans local collège Maximilien dans finale compétition ça postulant yo pral évaluer à travers yo performance artistique laptop tablette c'est quelque parmi prix trois gagnants a bien pour recevoir dans finale concours ça dans occasion plusieurs artistes parmi yo Samantha Normil et Adler Chéri apparaît pour bail performance. N'a invité au suivre un bout extrait. Samedi 18 mai, grande finale concours Miss Bicolore dans le local collège Maximilien Robespierre Delma 33 numéro 9. Concours Miss Bicolore c'est un concours de talent et d'intelligence organisé par Fondation Timoun Haïti demain. Dispose de l'Ontario parce que tout absolument soutenu que quand même. Mais n'a gain trois meilleurs yo c'est Miss première et deuxième Dauphine. Miss n'a gain 75 000 gold. Yon voyage Cuba, yon coffret, yon laptop. Et première dauphine n'a gen 50 000 goud, yon laptop et puis yon coffret. Deuxième dauphine n'a gen 35 000 goud, yon tablette et puis yon coffret. Nous gen des artistes qui a performé. Nous gen Samantha Normil et tant d'autres artistes. Nous gen 10 postulantes qui a performé 18 mai. Yon chaque gen pour présenter yon talent, que ce soit danse, chant, texte, théâtre, quelconque. Il suffit que le présenter un talent. Merci à Vladimir Dertois et puis Moïse Wilbridge qui te permettent nous gagner plus d'informations sur le concours. Sur notre salle, après une deuxième pause, nous avons permis de rester branché avec même intérêt. Hey, pas d'avoir aller. Oh, Joël. Mes amis. Ti Joël, où est sa crivo kounia? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse à tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campé, bye machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Où est sa crivo aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de gens penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Ou toujours sur Télévision Nationale d'Haïti ou à suivre 4e sortie fenêtre culturelle. Merci pour l'intérêt. Adeline Bonhomme, une jeune tigouave, t'est passée non mercredi la Kilti pour présenter recueil poésie qui titrait Éternité des cathédrales. Recueil ça qui parlait sous l'amour, éducation, crise sociopolitique. Géladan, plus passé 10 poèmes, li sorti dans édition La Rosée. Votignati a été faite dans ville Gonaïve, dans le cadre festival Livre en Action, qui était déroulé vendredi 10 à samedi 11 mai. J'ai noté à profiter car c'est rendez-vous vous à public là dans 25e édition Livre en folie. N'a invite au suivre. L'éternité des cathédrales qui sorti dans édition de La Rosée dans mois ça, c'est un recueil qui a dit un grand rapport avec spiritualité. En dedans texte ça, moi ça va joindre plusieurs thèmes qui développé en dedans, va joindre l'amour, va joindre espérance, va joindre douleur à la fois personnelle et
ça qui a passé dans le pays hein, qui fait mal dans moi. Titre là il est sorti à partir de recueil et bon normalement faut jeune un titre pour bail et me senti titre ça que me bail là il aller avec ça que me voulais exprimer. Texte ça son texte qu'a préparé longtemps. Me songe me t'étais dans résidence centre peine Haïti, c'était en 2016 je crois. Et depuis un moment ça texte santé là mon connaît. Grand toujours dire de pour dans domaine ça faut gagne gomme pour effacer et chaque fois on effacer ouais ou toujours m'en dit toujours mandé pour continuer et puis finalement un samedi ah bon enfin m'a quitté ça sorti dehors pour me ca gagne impression grand public là. OK, ça va je n'est disponible dans livre folie qu'a venir. Centre culturel Hope and a String a organisé samedi 18 mai qu'a venir là, 5e édition spectacle culturel annuel li sous place Saint-Pierre dans commune Akaye. Journée spectacle culturel ça qui a gain pour invité spécial BIC à Isolant prend l'occasion pour 200 jeunes qui te prend formation dans centre culturel ça by performance dans différents domaines tant que chant, danse théâtre. D'après Delva William, activité culturelle ça fait nos objectifs pour plus pour participer nos fêtes drapeau. N'a invité au suivi un extrait dans micro Gabi Victor et puis Moïse Wilbridge. Gain initiative organiser une grosse activité pour 18 mai à Nessa sous place publique à Kaya. Gain ti monde cap sorti Monwe, cap sorti Kaba, cap sorti à Kaya, mais artistes qui rive dans niveau performance et à partir de culture il y a performer jeudi sumé ça qui c'est fête drapeau. Ti moun sa qui prend formation qui apprend musique, qui apprend chant, qui apprend théâtre, yo gen une comédie musicale purement original parce que texte original, chant original, musique original et puis danse chorégraphie de danse. Ti moun sa ou même à partir de kilti lo yo pral prouver qui ça ou te apprendre dans session ça pour présenter mise en scène ça. Comme artiste invité l'année dernière, te gen Anessa répond présent encore c'est BIC et puis Isolant qui répond présent encore pour fête drapeau ça place à Kaye, place publique à Kaye à partir de 4h après-midi. Nous même dans organisation comme un centre culturel dans Kaye, nous rend compte que fête drapeau il pas vraiment célébré parce que l'on dit fête drapeau, l'on dit drapeau c'est symbole l'unité, c'est symbole fierté en Haïti, mais nous aimons plus célébrer là à l'extérieur. Nous même comme un centre culturel nous dit qu'il nous-mêmes mon akaye fort nous penser organiser activité ça pour mon akaye commencer rejoindre pour ticket et fait ça en nous célébrer dans akaye. Côté musique, Le Monde est chaud, c'est le dernier album célèbre chanteur ivoirien Tikenja Fakoli prévoit publier dans la date 17 mai qui vient là. 11e album ça qui a gagné une dizaine de musiques sous lip, c'est poil un plaidoyer sous question réchauffement climatique là et puis une démarche pour dénoncer passivité gouvernement yo dans monde là face à danger problème environnement traîné dans le monde. N'a invité au suivre un papier avec Michel-Ange Dalcé. Gros potomiteur depuis 25 l'année dans la catégorie musique reggae, Doumbia Moussa Fakoli, qui gagne un artiste li, Tikenja Fakoli, célèbre tout pour position politique li. Li choisi positionner bon côté planète Terre sous dernier album liant Le Monde est chaud. Je respire la fumée, je suis à bout de souffle, je vois les fleurs faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, se foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est le paradis fiscal. Album ça qui est très engagé a sorti la date 17 mai sur toute plateforme yo. L'a gagné une dizaine morceaux sous lit en coup We Love Africa, Dieu nous attend, Rasta. À titre qui t'est annoncé album ça Le Monde est chaud. Sous morceau li collaborer avec rappeur français Soprano, ça qui permet li rapprocher de jeunesse là. Le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Migration, corruption, monde politique là, patriotisme et spiritualité à climat, c'est ensemble thématique qui traité sous 11e album ça qui enregistré dans ville Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour artiste là, li symboliser un retour dans racine ni pendant l'a chanter sous ça qui comptait pour lui. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
notre sort, ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. Sous notre musicale, ça, on a mis en fin de fenêtre là, avant d'aller quitter nous rappeler quelques titres nous dépoter pour. Chanteur groupe New Look là, Orly La Rivière dénonce mauvais jet cap si maillé nouveau album classe là gratis sur réseaux sociaux. Dans un message vidéo, li posté sur compte Instagram li, artiste là décourager mode pratique ça yo qui d'après li a éteint souffle industrie musicale haïtienne là. Publication 11e album chanteur reggae international là Tikenja Fakoli prévoit pour 17 mai 2019 là. Nouveau album ça qui titré Le monde est chaud a gain 11 morceaux musique sous lit. À travers album ça chanteur entend renforcer plaidoyer qu'a fait dans monde là sous question réchauffement climatique là. Final 4e édition concours Miss Bicolor Fondation Timoun Haïti pour demain est organisé à programmé dans date 18 mai qui approche là. Dans cérémonie finale ça environ une dizaine finalistes a gain pour performer devant un membre jury qui doit déterminer 3 lauréats. C'est quelques titres nous t'ai porté pour vous dans numéro ça nous du rester branché télévision nationale d'Haïti pour reste programmation. Bye bye tout le monde.